Quand on plonge en compétition, ce qu'on sent d'abord, c'est l'eau froide, mais c'est des bonnes sensations. On sent la glisse, on sent de l'eau dans ses mains. Et quand tout ça se met parfaitement en place, on a presque l'impression de se déplacer sans effort. Moi, j'ai eu cette chance-là de pouvoir rentrer au cercle et d'avoir un encadrement incroyable de très haut niveau. Le quotidien de l'extérieur, il paraît difficile. On se lève tôt, on s'entraîne, on se fait du mal, etc. Parce qu'on est tous ensemble, on est un groupe qui veut progresser. C'est presque facile, en fait. Embrasse, notamment, c'est une nage un peu contre-productive. C'est pas une nage qu'on veut faire pour aller vite, normalement. L'unité, la symbiose avec l'eau est très importante. C'est cette sensation de glisse facile qu'on recherche. La préparation pour une compétition, elle passe avant tout par l'entraînement. Une fois qu'on est en forme dans le bassin, on peut tout mettre dans le bon sens, dans la tête. Paris, c'est un objectif. Aller aux Jeux, ça peut être le Graal, ça peut être l'accomplissement d'une carrière. Moi, j'ai déjà fait les Jeux, j'ai adoré. On connaît un petit peu la valeur de cet événement et ça donne encore plus envie d'y aller. On a cet objectif plusieurs années à l'avance. Et là, on a la CEPAC qui vient nous épauler. Ça met en confiance et ça permet d'être serein. En plus de représenter la France, on représente une team avec des athlètes de différents sports. Quand j'aborde une compétition, mon but, c'est pas de prouver aux autres que je peux faire quelque chose. Mon but, c'est juste de faire ce que je sais faire le mieux possible.